Moi, je pense qu'on est en dictature sanitaire. On est en dictature sanitaire. Ils savent très bien que la situation, elle est pas dégueulasse. Et ils maintiennent la pression parce que ils savent qu'à la rentrée, ça va être chaud. Et ils veulent mettre les gens... les mettre sous cloche. Alors, l'autre information de ce jour, c'est le déplacement du Premier ministre Castex dans le CHU de Montpellier. Alors là, bah, il en a remis une couche. Première couche, les rassemblements de plus de 5000 personnes. Faut pas rêver les amis, jusqu'au 30 octobre, c'est nada. Salut à toi, c'est Gemma. Donc j'avais dit que je te ferais plus souvent des vidéos sur YouTube, et bien ce soir, je t'en fais une. Bah, il faut dire que je suis obligé de prendre la parole en tant que résistant, en tant que citoyen engagé. Mais comme si elle me contournait, elle allait aller dans la file des gens qui venaient dans l'autre direction, et elle voulait pas quoi, son cerveau il voulait pas, elle a préféré me bousculer quoi. Hallucinant. Le manque de... Comment on appelle ça? Le manque d'adaptabilité sur l'instant, en fait. Excusez-moi, c'est pas grave, y'a personne. Qu'est-ce que tu fous? Il ne s'en pas. Et pareil, une nana qui... Je sors de la gare. Une nana va pour sortir de la gare, elle est juste dehors. Une nana encore, mais on s'en fout. Une personne. Et elle a sa valise. Une grosse valise, quoi. Et du coup, elle s'arrête net. Elle recule sans regarder derrière elle. Et moi, je marchais vite, tu vois. Et donc, j'étais en claquette. J'ai failli me faire écraser mes orteils, putain, par sa valise, sa grosse valise de ouf. Il faut que je m'écarte comme ça. Je fais, oh, qu'est-ce qui se passe, malheureuse, quoi. Et qu'est-ce qui lui prend dans sa tête, tu vois. Et en fait, c'est même délire. T'as des flèches dans un sens, des flèches dans l'autre sens. Et en fait, elle allait passer dans la porte, par la porte de manière normale, au milieu, quoi. Et elle s'est aperçue que, oh mon Dieu, elle était au milieu, elle allait être au milieu et qu'il fallait qu'elle soit sur la droite. Donc elle s'est arrêtée, elle a reculé et elle s'est mise sur la droite. Alors qu'il n'y avait personne de l'autre côté de la porte. Tu veux aller dans quel pays, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai halluciné, quoi. Du coup, on sort de la gare, je me retourne vers elle, je fais excusez-moi, vous avez failli m'écraser avec votre valise, je suis en claquette, ça. Et là, la meuf, elle limite, elle était en stress. J'avais plus de masque, mais moi je passe la porte, j'arrache le masque, hein, genre, elle était là. En mode, mais pas en mode genre j'ai fait une bêtise ou genre j'ai peur parce que c'est un racisé qui vient me parler ou je sais pas, non, en mode bah, il va me mettre des postillons, tu vois. Oh my god, mais comment en est-on arrivé là? C'est un truc de ouf, les amis. Bon, sur ce, j'arrête de vous raconter ma vie. Ça fait déjà 12 minutes de vidéo, c'est un petit peu long. Je vous dis à la prochaine fois pour mes nouvelles aventures. Dans les médias, ils vont pouvoir dire qu'il y a une amélioration sur le nombre d'hospitalisations, sur le nombre de décès, sur le nombre de personnes infectées, parce qu'il y en a beaucoup moins par rapport à hier, par rapport à ces derniers jours, sur le nombre de clusters qui ont diminué. Eh ben non, ils ont été chercher la seule information négative qui en plus est inclue dans une information positive, c'est-à-dire le nombre de nouveaux clusters entre hier et aujourd'hui, qui est de 25, mais des clusters.